Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dylan qui a décidé de contre-attaquer après l'énorme scandale qu'il y a autour de lui depuis quelques jours. Comme vous le savez, depuis que Booba a balancé plusieurs audios de Dylan, ce dernier est au cœur d'une grosse polémique. Le candidat de télé-réalité est notamment accusé de trafic d'enfants après avoir voulu ramener en France illégalement une petite malgache et avoir voulu monnayer l'adoption d'un enfant par Jazz et Laurent. Face à ces graves accusations, Dylan a décidé de contre-attaquer tout à l'heure. Il s'en prend fortement à Sandra, l'ex-présidente de son association, qui a fait fuiter les audiochocs. Dylan dévoile à son tour des vocaux et assure qu'elle est loin d'être aussi innocente qu'elle le prétend. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Dieu est grand. Après la vidéo de Sam Zira, ce qui en est ressorti n'a pas plu à mes ennemis. Mais l'homme que vous avez vu était le vrai Dylan. Après cette vidéo, ils veulent me mettre plus bas que terre en me diffamant. Aujourd'hui, même mon ancien agent et de surcroît qui était également la vice-présidente de l'association me diffame publiquement. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si la vérité mettra sûrement plus de temps, elle sortira un jour. Les gens ne sont ni cons ni naïfs. Le reste, je ne te trahirai jamais, je ne répéterai jamais rien. Parce que toi, tu penses une fois, tu m'as dit, ouais, j'ai rencontré plein de gens comme toi, t'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je vais te dire la vérité, tu n'as jamais rencontré quelqu'un. Ouais, je vais transférer la thune, mais je pense que maintenant on n'aura plus de soucis, je vais le faire tout à l'heure. Par contre, c'est cool, tu vois, le fait que là, ça a été vérifié en. Sandra, le dernier virement de la cagnotte, c'était 5600. Est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver? Et si oui, de combien? Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux lui donner... Je me dis que, en fait, ce qui serait cool, parce que tu es en voyage humanitaire, je trouve que c'est un peu... C'est pas bizarre de poster, mais la dernière fois, quand tu as posté... Ça reste, tu vois, tu es dans ton voyage humanitaire et tout. Mais je me dis qu'au même moment où elle va poster, tu fais tellement des trucs beaux que moi, même moi, je me dis des fois, tu es une tête de con, putain. Tu fais tellement des trucs beaux que j'ai envie de te suivre toute la vie. Après, je préfère pas m'exprimer parce que tu as vu, on va se prendre la tête. Tu vois, je préfère pas m'exprimer, mais je vais te le dire vite fait. C'est juste parce que tu écoutes. Demain, tu éteins ton casque. Tu baisses le son, t'entendras plus rien et il y aura absolument... Moi, j'en ai rien à foutre des réseaux, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent eux. Je parle de pas société, association. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent eux. Je veux juste que ça soit carré au niveau de l'association, de la clôture et du reste. Et ça, on le fait, eux, c'est pas eux. Eux, c'est rien du tout. Expliquer, Dylan, c'est pas le problème. Toi, tu vis ta best life. Tout le monde est tranquille. C'est pas une question de éthers. Déjà, toi, ton métier à toi, c'est les éthers. Nous, on savait dans quoi on rentrait. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'est pas... Par contre, là, si tu veux te prendre la tête, on se prend la tête. Il n'y a pas de problème. Tu ne vois pas ce qu'ils font, tu ne regardes pas ce qu'ils font. Moi, mon nom, il est sorti, Sandra Durand. Je travaille dur. Demain, j'appelle un député qui est en train de faire les lois, qui voulait me voir déjà. Sandra, Sandra, Sandra. Tu imagines que je t'avais dit que si jamais il se passait quelque chose par rapport aux menaces que tu recevais, je t'aurais toujours défendu? Je dois avoir les vocaux. Tu as ouvert l'association à mon nom, tu as ouvert les cagnottes à mon nom, tu as fait les virements de cagnottes, tu as signé les papiers à mon nom, tu as choisi la trésorière, tu as choisi l'avocate, tu as décidé de fermer l'association. Toutes les notes vocales le prouveront. Tu as voulu te dédouaner de tout en envoyant des notes vocales pour me salir et me jeter la pierre. Comme je l'ai dit,
Je n'aurais jamais laissé personne te faire du mal si tu ne m'avais pas trahi. J'aurais tout pris pour toi, peu importe l'ampleur. Aujourd'hui, on m'accuse de choses totalement fausses car sorties de son contexte. Dieu est grand et tu vas payer ici-bas et là-haut. Tu savais que mon seul but c'était de sauver des enfants et oui, j'aurais aimé tous les prendre avec moi pour les faire kiffer ici, dans les piscines de Dubaï. Car actuellement, ils sont en train de mourir. Mais ça, c'était un rêve, c'était une conversation entre nous. C'était moi et mon monde utopique, car je pense pouvoir sauver ces enfants. Mais je me rends compte que même toi, tu n'avais pas le cœur à l'humanitaire et tu étais à mes côtés pour sûrement d'autres intérêts.